Voyons ici ce qu'on appelle l'interprétation géométrique de la dérivée. Au départ, on nous donne une fonction f et un nombre a qui appartient au domaine de définition de cette fonction. D'abord, nous construisons ce point a de coordonnées a, f de a. Ce point appartient donc au graphique de la fonction. Nous savons que si la limite pour x tendant vers a de f de x moins f de a sur x moins a est un nombre réel, alors la fonction f est dérivable en ce nombre a. Et ce nombre réel est désigné par f' de a. Ainsi, par le calcul de cette limite, au nombre a, on associe le nombre f' de a. Et cette loi d'association, c'est ça la dérivée de la fonction f. La tangente en ce graphique au point de contact A, c'est la droite qui contient ce point A et qui a comme coefficient angulaire justement ce nombre f' de A. Cette tangente, c'est donc la droite qui a pour équation cartésienne y moins f de A est égal à f' de A fois x moins A. Grâce à cette équation cartésienne, on voit bien que cette droite T contient le point de coordonnées A, f de A, et a comme coefficient angulaire ce nombre f' de A. Regardons dans un exemple très simple. On nous donne la fonction x carré et le nombre A est égal à 1. Nous allons calculer, grâce à cette équation-là, l'équation cartésienne de la tangente au graphique de cette fonction, et ce, au point de contact d'abscisse A. Pour faire cela, on a donc besoin du nombre f de 1 et du nombre f' de 1. Mais f de 1, ça c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Pour calculer le nombre f' de 1, nous n'avons plus besoin de la définition par la limite, puisqu'on sait comment on calcule la dérivée d'une fonction. Dans le tutoriel précédent, nous avons appris comment on calcule rapidement la dérivée d'une fonction. Donc, pour trouver le f' de 1, on calcule d'abord le f' de x, la dérivée de x au carré, c'est 2x, et puis là-dedans, on remplace le x par 1, et ainsi on trouve que f' de 1, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, nous avons f de 1 et nous avons f' de 1. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour écrire l'équation cartésienne de la tangente cherchée. Là, on met le 1 qui est donné. Là, on met l'image de ce 1. Ici, c'est également 1. Et là, on met le coefficient angulaire de la droite, c'est-à-dire f' de 1, ce 2. Cette équation s'écrit encore un peu plus simplement. Grâce à cette équation cartésienne-là, on peut vérifier si le point A de coordonnées 1, 1 se trouve bien sur la droite. Vérifions, remplaçons ce X par ce 1 et ce Y par le deuxième 1, et ça donne alors 2 moins 1 moins 1, ce qui est bien 0. On peut chercher un deuxième point qui vérifie cette équation-là, et puis on relie ces deux points, le deuxième avec le point A, par une droite, et on constatera avec grande joie que cette droite est effectivement tangente à la parabole, et ce, au point de contact A. Le fait que le coefficient angulaire de la tangente, c'est f' de A, c'est justement ça, ce qu'on appelle l'interprétation géométrique de la dérivée. Voici l'interprétation géométrique de la dérivée. F' de A, c'est le coefficient angulaire de la tangente au graphe de la fonction, et ce, au point de contact d'abscisse A. Pour visualiser ce coefficient angulaire F' de A de la tangente, on calcule un deuxième point de la tangente, et on dessine alors ce triangle. Donc nous avons le point A qui appartient à la tangente. Grâce à l'équation cartésienne, on calcule un deuxième point de la tangente.
Ainsi, on peut tracer cette tangente avec précision. Et puis, à partir de ce deuxième point, on trace une verticale. À partir du point A, on trace une horizontale. Et ce nombre que j'appelle ici V, V comme verticale, divisé par ce nombre que j'appelle ici H, H comme horizontale, ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal, c'est ça le coefficient angulaire de cette droite T. Donc c'est ça le nombre F' de A, vertical sur horizontal. Il y a un autre moyen de visualiser ce nombre F' de A, ça fonctionne comme ceci. À partir du point A, nous traçons un segment horizontal orienté vers la droite de longueur 1, c'est-à-dire nous traçons ce segment-là, toujours de longueur 1. Alors grâce à ce segment, nous arrivons en ce point-là, et à partir de ce point-là, nous retournons verticalement vers la tangente. Si nous retournons verticalement vers le haut, c'est que la tangente est croissante et c'est que le coefficient angulaire, c'est strictement positif. Le coefficient angulaire, dans ce cas-ci, c'est ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal. Mais comme ce nombre horizontal, c'est 1, le coefficient angulaire de la tangente T, c'est ce nombre vertical divisé par 1, c'est-à-dire ce nombre vertical. Autrement dit, ce nombre-là, c'est le coefficient angulaire de la tangente, c'est-à-dire F' de A. Dans notre cas concret ici, le F' de A est égal à 2,78. Nous voyons bien qu'il est positif parce que la tangente est croissante. Imaginons maintenant une tangente décroissante. On fait le même procédé. Pour visualiser le F' de A, on part du point de contact A, on trace le segment horizontal vers la droite de longueur 1, et puis on retourne verticalement vers la tangente. Pour retourner verticalement vers la tangente, ici, on doit descendre. Puisqu'on doit descendre, c'est que la tangente est décroissante et c'est que son coefficient angulaire F' de A est strictement négatif. Dans ce cas-ci, il vaut moins 0,9. Nous constatons donc déjà que si la fonction croît, alors la tangente croît. Et si la tangente croît, alors F' de A est strictement positif. On peut donc en déduire que si la fonction croît, c'est que F' de A doit être strictement positif. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si le coefficient angulaire F' de A de la tangente est strictement positif, c'est que la tangente est croissante. Et ça veut donc dire que la fonction doit être croissante. Nous pouvons donc en déduire en général qu'une fonction f est croissante si et seulement si sa dérivée est strictement positive et une fonction est décroissante si et seulement si sa dérivée est strictement négative. Nous avons donc trouvé ici un moyen de déterminer où une fonction croît et où elle décroît. Pour voir où une fonction croît, il suffit de calculer la dérivée de cette fonction et de regarder où cette dérivée est strictement positive. Et pour voir où une fonction décroît, il suffit de calculer sa dérivée et de regarder où cette dérivée est strictement négative. Observons encore une fois le dessin ici. Lorsque A se trouve ici, la tangente est croissante, donc F' de A est strictement positif. Si A se trouve ici, la tangente est décroissante, c'est-à-dire que F' de A est strictement négatif. Encore une fois, si le A est là, le F' de A est strictement positif. Si le A se trouve un peu plus loin, le F' de A est strictement négatif. C'est que, quelque part ici, le A devient nul. Ce n'est pas très facile de l'atteindre en tirant au nombre A
Voilà, c'était presque ça. Ce qu'on peut faire, je vais dans Affichage, le champ de saisie, et ici dans le champ de saisie, je mets simplement que A est égal à 1, parce que c'est là que la tangente devient horizontale. Ici, le F' de A est nul. Et lorsque la tangente est horizontale, c'est-à-dire de coefficient angulaire nul, la fonction atteint donc ici un maximum. À gauche de ce point, la fonction croît, et à droite de ce point, elle décroît. Et en ce point même, la tangente est horizontale, puisque le coefficient angulaire est nul. Nous pouvons donc en déduire ceci. La fonction f atteint un maximum au nombre a dans l'intervalle i si on a cette situation-là. Lorsque x vaut a, le f' est nul, donc la tangente est horizontale. Si x se trouve à gauche de a, la dérivée est strictement positive dont nous déduisons que la fonction croît, et si x se trouve à droite de a, la dérivée est strictement négative, dont nous pouvons déduire que la fonction décroît. Donc la fonction croît, ici il y a une tangente horizontale, et puis la fonction décroît. C'est qu'en A, la fonction atteint un maximum. Et pour ce point-là, nous avons justement cette situation-ci. À gauche de ce point, la fonction décroît, ça se voit par f' strictement négatif. À droite de ce point, la fonction croît, ça se voit par f' strictement positif, et en ce point même, la tangente est horizontale, ça se voit par f' est égal à 0. Mais c'est qu'en ce point-là, la fonction atteint un minimum. Analysons encore ce fait-là. Pour cela, je vais faire disparaître la tangente, voilà, et je vais faire apparaître la dérivée de cette fonction-là. Donc, pour cette fonction f, la dérivée est représentée par ce graphe bleu. Et nous constatons effectivement, si on prend le nombre a à gauche de 1, la dérivée se trouve au-dessus de l'axe des x. Donc, à gauche de 1, la dérivée est strictement positive, ce qui veut dire par ceci que, à gauche de 1, la fonction est strictement croissante, ce qui est bon. En 1 même, la dérivée s'annule. En 1, la dérivée s'annule, ce qui veut dire que la tangente devient horizontale et que la fonction y atteint ici un maximum. Si A se trouve entre 1 et ce point-là, nous voyons que la dérivée est dirigée vers le bas, donc la dérivée est strictement négative. Et là où la dérivée est strictement négative, la fonction décroît. Nous en déduisons donc, entre 1 et ce nombre-là, la fonction décroît. C'est bien juste entre ce point et ce point-là, donc entre le maximum et ce minimum, la fonction décroît. Et à droite de ce nombre-là, nous constatons que la dérivée se trouve de nouveau au-dessus de l'axe des x, donc la dérivée est strictement positive. Et là où la dérivée est strictement positive, la fonction croît, ce qui signifie à droite de ce nombre-là, la fonction croît de nouveau. Vérifions, à droite de ce point-là, la fonction croît. Voyons ici un bel effet optique qu'on peut obtenir avec les tangentes. Voici le graphique de la fonction x carré, voici un nombre a, et voici la tangente en cette parabole au point de contact d'abscisse a. On peut visualiser cette parabole rien qu'avec les tangentes. Je vais faire disparaître la parabole et maintenant ici, je vais faire varier le nombre a. Nous voyons apparaître la parabole
qui est tracée rien qu'avec les tangentes.